Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je suis très heureux d'être ici au Conseil national de recherche en compagnie du ministre Baines et de mes collègues députés de Montréal, la ministre Joly, Rachel Bendayan et notre député local, Anthony Housefather. Le président du Conseil national de recherche, Ian Stewart, est aussi parmi nous aujourd'hui. Depuis notre début, notre gouvernement lutte contre la COVID-19 en étant guidé par la science. On a donc investi plus de 1 milliard de dollars dans une stratégie contre la COVID-19 qui permet d'augmenter le dépistage et qui soutient les essais cliniques et la recherche liée au vaccin. Si on veut protéger les Canadiens, on doit écouter les conseils des experts en santé publique et soutenir la recherche scientifique. Ce qui veut dire qu'on doit aussi soutenir nos chercheurs pendant qu'ils mettent au point un vaccin efficace. Plus tôt ce mois-ci, le ministre Baines et la ministre Anand ont annoncé les membres du groupe de travail sur le vaccin contre la COVID-19. Ce groupe comprend des spécialistes en matière de vaccins et d'immunologie, mais également des leaders de l'industrie. En se basant sur leurs conseils, on a signé des ententes avec Pfizer et Moderna pour réserver des millions de doses d'un futur vaccin contre la COVID-19. Et aujourd'hui, on franchit une autre étape. Je vous annonce que le gouvernement du Canada a signé deux nouvelles ententes avec Novavax et Johnson & Johnson pour réserver des millions de doses du vaccin contre la COVID-19 qu'ils sont en train de mettre au point. Leurs plus récents essais de vaccins ont eu des résultats prometteurs. Si l'un de ces vaccins passe le test, l'entente d'aujourd'hui fera en sorte que les Canadiens vont avoir accès aux doses nécessaires. Toutes nos ententes avec Pfizer, Moderna, Novavax et Johnson & Johnson concernant un nouveau vaccin permettront au Canada d'avoir accès à au moins 88 millions de doses et des options pour en avoir des dizaines de millions de plus. La ministre Anand et la ministre Haidu auront plus de détails à vous fournir tout à l'heure. Today, I can announce that the government of Canada has signed two new agreements with Novavax and Johnson & Johnson to reserve millions of doses of the vaccines they're developing. Their most recent vaccine tests show promising results. That's why we're making sure that if one of these potential vaccines is successful, Canada and Canadians will have access to the doses they need. Taken together, our vaccine agreements with Pfizer, Moderna, Novavax, and Johnson & Johnson will give Canada at least 88 million doses with options to attain tens of millions more. I know that Minister Anand and Minister Haidu will have more details to share at the noon briefing today. In the weeks and months ahead, our government will continue to take the steps needed to make sure Canada gets a COVID-19 vaccine as soon as possible. Once a vaccine is proven to work, we'll also need to be able to produce and distribute it here at home. On that front, I can also announce that we're investing over $126 million to expand the biomanufacturing facility right here at the National Research Council, Royal Mount. This funding will increase this facility's ability to manufacture vaccines and will strengthen the NRC's partnerships with vaccine developers. We expect the facility to be up and running by mid-2021. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, notre gouvernement continuera de travailler fort pour que le Canada ait un vaccin contre la COVID-19 le plus tôt possible. Lorsqu'un vaccin sera prouvé efficace, on va aussi devoir être en mesure de le fabriquer et de le distribuer ici même au pays. Là-dessus, je peux aussi vous annoncer qu'on investit plus de 126 millions de dollars dans un nouvel édifice de biofabrication au Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine, ici même à Montréal. Ces fonds vont permettre de fabriquer des vaccins et ils vont renforcer les partenariats du Conseil national des recherches avec les producteurs de vaccins. L'édifice devrait être prêt au milieu de 2021. I want to end by recognizing that tomorrow,
is the 40th anniversary of Terry Fox's Marathon of Hope. Terry's courage and persistence made him a true Canadian hero and gave hope to people around the world. As we honor his legacy, let's continue to support the people and families affected by cancer and keep working together to find a cure. J'aimerais terminer en rappelant que demain, ce sera le 40e anniversaire du Marathon de l'Espoir de Terry Fox. Le courage et la persévérance de Terry ont fait de lui un vrai héros canadien et ont donné de l'espoir à des gens du monde entier. Alors qu'on se souvient de son héritage, continuons de soutenir les gens et les familles touchées par le cancer et de travailler tous ensemble pour trouver un remède. Merci.